recevoir Jean-Marc Zulizi, député des Bouches-du-Rhône, cofondateur de France Mobilité. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Marc, je me souviens que dès le début des discussions sur la loi d'orientation des mobilités, vous êtes très vite emparé de ce sujet. Vous étiez présent dans les discussions. C'était quoi le contexte lorsque Elisabeth Borne a lancé les discussions sur la loi d'orientation des mobilités? C'était avant le mouvement des Gilets jaunes, je m'en souviens. On était dans un tout autre contexte. Vous vous en souvenez? Alors avant tout, je souhaitais vous remercier pour l'invitation. Il me semble que c'est important que, en tant que parlementaire et député très engagé sur les sujets de transport et en particulier sur la loi d'orientation des mobilités, je puisse venir faire la pédagogie de effectivement les messages que nous avons voulu lancer dans cette loi d'orientation des mobilités. Vous m'avez posé une question sur la préparation de cette loi d'orientation des mobilités et en particulier sur les assises nationales de la mobilité. Notre volonté, c'est avant tout, vous l'avez compris, de pouvoir travailler sur la mobilité du quotidien. Et donc, il était de bon sens de poser la question à nos concitoyens justement des problématiques, des verrous à lever au niveau de la mobilité du quotidien. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, dans un contexte, vous l'avez dit, différent du contexte que nous avons connu après, c'est-à-dire pendant la période des Gilets jaunes, nous avons souhaité aller sur le terrain, poser la question à nos concitoyens, poser la question à l'ensemble des acteurs de la mobilité pour construire ensemble cette loi d'orientation des mobilités. Et puis, je vous le dis, et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est ce qui fait que, au final, cette loi d'orientation des mobilités, qui a certes mis du temps à sortir, puisque nous l'avons votée mardi, cette loi d'orientation des mobilités, disons-le, a été appréciée par l'ensemble des acteurs. Mais alors, pourquoi elle a mis du temps, justement? Est-ce que c'est l'irruption du mouvement Gilets jaunes qui a prolongé les débats ou alors qui a peut-être fait basculer certaines dispositions? Quel était l'impact du mouvement Gilets jaunes sur la LOM? Alors, je ne voudrais pas laisser penser qu'il n'y a que eu la période des Gilets jaunes qui a fait que nous avons tardé à sortir cette loi d'orientation des mobilités. Disons-le, il y a eu aussi un agenda parlementaire très chargé qui a fait qu'on n'avait pas de période permettant de pouvoir analyser, en fin de compte, la loi d'orientation des mobilités dans les meilleures conditions possibles. Mais vous avez raison, lorsqu'on a connu cette période des Gilets jaunes, il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avons eu cette volonté de pouvoir avant tout envoyer un signal fort sur l'accompagnement de nos concitoyens dans l'appropriation de ces mobilités du quotidien et en particulier la volonté d'accompagner nos concitoyens dans la transition énergétique puisque il faut le rappeler, nous sommes le premier pays dans le monde à acter la sortie des énergies fossiles pour 2040 dans la loi. Donc ça, c'est bien beau de l'écrire, mais nous voulions assurer des gages à côté d'accompagnement de l'ensemble de nos concitoyens pour atteindre cet objectif. Donc la période des Gilets jaunes nous a rappelé à la nécessité de véritablement mettre en place dans cette loi d'orientation des mobilités des mesures incitatives d'accompagnement des mobilités alternatives auto-voitures. Il y a quand même eu, parce que vous avez parlé d'un agenda parlementaire très chargé, il y a quand même eu des points de crispation autour de certaines dispositions de la LOM. Je pense, on va en parler juste après, notamment sur l'open data par exemple. Il y a eu aussi des sujets autour de la vignette pour les poids lourds. Je crois que c'est un sujet qui a été évacué ou mis en suspens pour le moment. Il y a eu quand même des points de crispation. Est-ce que on est vraiment aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est satisfait? Vous-même, en tant que député qui avait à cœur l'action de mobilité, vous êtes satisfait de la LOM? Vous pensez que on aurait pu aller encore plus loin? Alors vous avez raison de le rappeler, il y a eu des points de crispation, des points de discussion assez forts sur le financement des mesures de la loi d'orientation des mobilités. Et donc forcément le sujet de vignette poids lourd est revenu sur la table. On a eu le sujet, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, du péage urbain, qui aussi a cristallisé un petit peu les débats au sein même des parlementaires, mais je sais au niveau du gouvernement. Et donc tout ça a pris effectivement un peu de temps. Et donc pour répondre à votre question, si moi je suis en tant que parlementaire, je suis satisfait,
Oui, je suis satisfait, mais je serai d'autant plus satisfait lorsque cette loi d'orientation des mobilités portera ses fruits, lorsque les décrets d'application seront sortis et que véritablement les concitoyens eh bien, auront saisi toute la pertinence de cette loi d'orientation des mobilités. Et ça, notre volonté, et ça c'est aussi le rôle du parlementaire, hein, c'est d'assurer ce que j'appelle moi le service après-vote, c'est-à-dire de rendre fonctionnelle cette loi dans les territoires. Moi, je pourrais être satisfait lorsque, effectivement, cette loi aura porté tous ses fruits et qu'on aura apporté des solutions dans la mobilité du quotidien de nos concitoyens. Vous avez prononcé le mot territoire. Est-ce que c'est le sujet de la mobilité en zone rurale, c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé ces dernières années, c'est devenu quelque chose d'assez prégnant. Je sais que vous êtes très attaché en étant un élu du terrain. Est-ce que la LOM apporte des réponses sur des mobilités donc dans des zones peu denses, peu densifiées d'un point de vue urbanistique? Alors oui, moi je suis convaincu que cette loi d'orientation des mobilités, elle apporte des outils, en particulier dans ce qu'on appelle les territoires peu denses. J'aime pas ce terme, mais c'est ce qui est utilisé couramment à Paris. Choisissez votre terme, c'est bon. Et donc ce qu'on appelle aussi les territoires. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a ce qu'on appelle la mise en place d'autorités organisatrices de la mobilité. Il faut qu'on se dise les choses, hein, 80% de notre territoire n'est pas couvert par ces autorités organisatrices de la mobilité. La conséquence, elle est très simple, c'est que vous avez ce qu'on appelle des zones blanches de la mobilité, donc aucune organisation pour apporter des solutions de mobilité à nos concitoyens. Dans la loi d'orientation des mobilités, nous permettons justement d'apporter ces autorités organisatrices de la mobilité partout et sur tout le territoire. Et puis, alors, je pourrais vous décrire différentes mesures, mais moi, il y a une mesure qui me tient particulièrement à cœur, puisque je l'ai portée en tant que parlementaire. C'est la proposition que nous avons formulée avec l'ensemble des acteurs de la profession, c'est le forfait mobilité durable. Et ça, le forfait mobilité durable, qu'on se le dise, hein, ce n'est pas pour les Parisiens, ce n'est pas pour les Marseillais ou les Bordelais, c'est avant tout pour accompagner nos concitoyens dans leur domicile, dans la mobilité entre le domicile et le travail, de pouvoir, c'est 400 euros pour nos concitoyens, pour justement les accompagner dans du covoiturage et dans les solutions alternatives à la voiture. Est-ce que ça veut dire que demain, la LOM va apporter des solutions alternatives aux véhicules individuels? Ça, c'est un grand sujet. Est-ce que ces solutions sont crédibles, elles sont pérennes pour apporter de vraies solutions de mobilité en zone rurale? Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de service après-vote. La vérité, c'est que la loi en tant que telle, elle ne pourra pas résoudre les problématiques. C'est une boîte à outils à disposition des élus, et en particulier des élus locaux, et c'est aux élus locaux de se saisir de ces outils pour les déployer sur le territoire. Donc, pour répondre à votre question, Donc il n'y a oui. pas de contrainte sur l'usage de la voiture d'une façon individuelle. Alors oui, il y a des contraintes, puisque lorsqu'on écrit dans la loi qu'on sort des énergies fossiles à 2040, c'est une contrainte. Par contre, ce que je dis, c'est que par rapport aux outils qui sont proposés, forfait mobilité durable dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas obligatoire, il est facultatif. C'est aux acteurs de territoire de se saisir de ces outils de manière à ce qu'ils les déploient sur leur territoire. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure de service après-vote, c'est aux députés d'aller vendre ces outils, c'est au service de l'État d'aller vendre ces outils aux collectivités, de sorte à ce qu'ils puissent se saisir et les déploient le plus rapidement possible comme véritable solution de mobilité pour les mobilités du quotidien. Et puis, dernier aspect, je tiens quand même à le dire, dans cette loi d'orientation des mobilités, on a toute une programmation de financement des infrastructures. Je le dis parce que c'est 13,6 milliards d'euros qui sont investis dans les infrastructures du quotidien. Et ça, les infrastructures du quotidien, c'est avant tout pour les territoires et les territoires peu denses. Donc, vous voyez, il y a des solutions qui sont très concrètes à la disposition de nos concitoyens. Juste un mot peut-être sur la voiture individuelle, parce que nous sommes quand même à l'Hôtel de Ville de Paris. Vous qui connaissez bien le terrain en zone rurale, c'est quoi votre sentiment sur cet attachement des Français à la voiture individuelle? Est-ce que c'est un attachement affectif ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce que c'est une vraie dépendance? Comment est-ce que vous voyez ça sur le terrain? Alors, en particulier dans les territoires et les territoires peu denses, je pense qu'il y a un véritable amour et un sentiment de liberté avec sa voiture. Et donc, c'est là que on a un vrai travail à faire de pédagogie, de travail d'accompagnement à nos concitoyens. Et je crois que
La vraie problématique aujourd'hui, et en particulier dans ces territoires, c'est qu'il n'y a pas d'alternative sérieuse à la voiture. Et donc, le rôle, il ne faut pas expliquer à nos concitoyens que du jour au lendemain, on va pouvoir proposer partout des alternatives. Par contre, c'est un accompagnement, c'est un travail de longue haleine qui doit se faire à court et moyen terme pour que nos concitoyens sortent de cette dépendance à la voiture. Ouais. Est-ce que c'est aussi ça l'origine de cette fracture territoriale entre les Parisiens qui se démotorisent toujours un peu plus, et puis on voit aussi que les jeunes passent de plus en plus tard leur permis de conduire, et effectivement la zone rurale, est-ce qu'on peut parler d'une fracture territoriale? Alors tout à l'heure, quand je parlais de zone blanche de la mobilité, eh bien, en fait, on est en plein dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire une fracture territoriale, un sentiment aussi d'abandon, et puis, disons-le, des problématiques après, à côté, d'aménagement durable du territoire. Donc oui, vous avez raison de le dire, ces disparités en matière de mobilité créent des disparités territoriales et un fossé qui ne cesse de s'agrandir entre des territoires ruraux et des territoires urbains. On a l'impression que le sujet de la mobilité est un sujet qui a pris beaucoup d'importance ces 5 dernières années au niveau de l'opinion publique, au niveau des électeurs. Peut-être un sujet qui n'avait pas été anticipé dans cette ampleur par les élus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la thématique de la mobilité soit aussi passionnelle chez les électeurs? Mais c'est très simple, on retrouve la mobilité sur tous les pans de notre société. Un tiers des gaz à effet de serre proviennent de la mobilité. Un quart de nos concitoyens refusent une offre d'emploi ou une formation parce qu'ils n'ont pas de solution de mobilité. Sur mon territoire, dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, vous prenez un Aixois ou un Marseillais ou encore un Salonnais, il perd une semaine de sa vie dans les embouteillages. Et donc on voit bien qu'à travers ces 3 exemples, la mobilité est partout. Et donc forcément, c'est devenu un sujet politique. Ouais. Et à nous de répondre justement. Et je crois que la loi d'orientation des mobilités répond à ces enjeux, mais encore une fois, il ne faut pas laisser penser que du jour au lendemain, on pourra régler les 3 exemples que j'ai cités. C'est un sujet politique, c'est un sujet social? Essentiel, politique, social, environnemental, et même en lien à l'attractivité même des territoires. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zulesi. Merci.